Merci Rémi de nous recevoir. Ça fait longtemps que moi je fais de l'auto dans le bois, mais là on est rendu où là? Ah là on est rendu à Saint-Alexis-des-Monts. Pour ceux qui ne savent pas, c'est de la Mauricie, au Québec. Et ici, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a ma maison, entre autres. Tu m'as dit que tu avais plusieurs maisons. Oui. Comment tu as procédé? Tu as comme un petit système évolutif. Fait qu'au lieu de construire la grande maison du premier coup, je me suis dit je vais d'abord construire une petite. Je ferai toutes les erreurs sur la petite. Oui. Puis je pourrais finaliser la grande comme il faut. Wow! Alors, ma petite, ben, c'est vraiment petit. <laughs> c'est les dimensions 12 pieds, ouais. 12 pieds, 12 pieds. Okay. Alors, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'isolant enlève un pied à chaque fois. Ouais. Donc, c'est 11 pieds, 11 pieds, 11 pieds. Mm -hmm. Donc, ça, c'est ma maison d'essai. Ouais. J'essaye tout, le, la partie électrique, oui, mais surtout l'isolant, la façon de vivre dedans, etc. Donc, j'ai passé euh, un petit bout de l'automne, l'hiver en entier, puis le printemps. Fait que là, on va pouvoir aller la visiter. On va aller la visiter, wow. on va aller voir de quoi elle a l'air. tu vas nous montrer tous tes secrets? Je vais vous montrer tous mes secrets. OK, allons-y. OK, on y va. J'aimerais vraiment comment aménager des petits sentiers pour te rendre à tes endroits? Oui, ici, c'est un petit peu particulier. Je voudrais que les autos restent dans l'entrée. OK. Donc, euh, tout se transporte à main, en charrette ou bien par traîneau l'hiver. Donc, pas d'auto. Elle reste là-bas. Puis on, nous, on s'en va vers des maisons autonomes, vivantes, qui marchent à l'électricité. Donc, pas de fumée, pas rien. Ouais. Pas d'odeur. Puis ici, on voit derrière, est... ta maison n'est pas finie? Alors, ça, c'est la maison, en fait. Mon... Mon pre... Ça a été mon premier projet. Okay. Ça, c'est une maison qui va... qui va faire, une fois finie, 20 pieds de façade. Okay. Puis 16 pieds de profond. Ouais. Face au sud? Face au sud, ouais. toujours. Ici, d'ailleurs, j'étais avec un ancien élève de Solutionera, mm -hmm. qui, lui, travaille un petit peu dans la construction. Donc, on a tourné la maison euh, pas parfaitement sud. Okay. On s'est demandé, est-ce que tu veux du soleil le matin ou est-ce que tu veux du soleil le soir? <laughs> Et moi, j'ai choisi le matin. Donc, on a légèrement décalé la maison vers l'est, mais Parfait. très peu, l'ordre de quelques degrés. Pourquoi c'est aussi haut? Là, tu as commencé la fondation, puis c'est déjà plus grand que nous. Oui, c'est qu'ici, moi, j'ai une rivière qui est un petit peu plus bas, et ouais. on sait qu'on s'en va vers des inondations, des niveaux d'eau qui vont mm -hmm. monter. Et je me suis dit, ben oui, la maison, je veux la monter un peu plus haut. Okay. Et après ça, je me suis dit, mais c'est vrai que j'ai un VTT qui me permet de travailler ici, mm -hmm. j'ai un canot, j'ai tout ça d'affaires. Ouais. Je me suis dit, en fait, je vais utiliser le dessous de la maison comme. En gare, entre ouais. guillemets, puis la maison va être par-dessus. Puis si elle est par-dessus, elle va se rapprocher du soleil. On s'en va vers le soleil ouais. parce qu'on est entouré d'arbres aussi. Okay. Donc je monte vers la lumière. Que dans le fond, ton, ton garage a déjà construit, la partie garage? Ouais, hein, c'est. <laughs> en fait, c'est mon VTT que je mets dedans. Mon VTT, en fait, c'est pas pour me promener sur les sentiers, c'est pour travailler. Ouais. Donc c'est lui qui. J'ai ma petite remorque est ici, c'est lui qui transporte tout. OK. Ce que je ne rajeunis pas, fait que j'ai besoin d'aide. <laughs> Alors là, on est encore en dessous de ta mini-maison oui. à venir. Puis c'est quoi oui. la boîte qui est ici? Ah ça c'est intéressant. Ça ici, c'est l'eau. Alors l'eau, ben, on a causé un trou. 12 pieds. J'avais de l'eau. Juste 12 pieds dessus. Juste 12 pieds de profond. Oh. J'avais de l'eau. Euh, froide, claire, mm -hmm. pas goûteuse. Vraiment de l'eau extrêmement intéressante. Donc, j'ai ramené ça, on, a, on est parti du puits, on est revenu ici, on mm -hmm. est sous la maison, on est d'ailleurs à l'emplacement de la cuisine. Ouais. Et pourquoi j'ai fait un grand bac comme ça? Parce que je veux faire d'autres choses dans ce bac-là. Entre autres, mettre mes batteries. Parce que toute ta maison va être autonome encore. Mais, toujours. Toujours. Moi, toujours l'autonomie, j'aime trop ça. Ouais. Et euh, donc, je mettrai mes batteries dans, dans cette boîte-là, avec l'eau. Ça va les garder tempérées dans la... Dans le sol. Ça va jouer deux rôles. C'est qu'effectivement, l'été, mes batteries vont être au frais. Oui. Et l'hiver, par contre, elles vont chauffer l'intérieur du local, puisque quand on charge une batterie, elle dégrade ah, oui. la chaleur. Ah oui. Ça va empêcher tes tuyaux de geler. Ça va empêcher mes tuyaux de geler. Très bonne stratégie. Oui. Alors, on est rendu dans ta micro-maison. En fait, c'est une maison test, pas vraiment une maison. C'est juste ça, ouais. ça te permet d'expérimenter. Oui. Moi je trouve ça tellement intelligent d'essayer de, avant de le faire, là, comme Benoît Deschamps, oui. avec son ouais. cabanon. Oui, ouais, absolument. Tu t'aperçois que ça marche. Oui. <laughs> c'est ça qui est le plus intéressant. C'est rassurant. <laughs> Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ton bureau. Moi, quand je suis rentré ici, je suis tombé en amour avec ton bureau. Comme tout sur le 12 volts, dans le fond. Oui, tout se passe là. OK. Ben, je travaille avec... Euh, tu vois ici j'ai mon éclairage. Je peux avoir donc l'éclairage qui est USB. Fait que ça, c'est un, un allume-cigarette d'auto que tu as là. C'est un allume-cigarette d'auto. En fait, c'est pas pour l'auto, c'est fait pour, pour, les, les, pour les, les maisons. maisons. Mais c'est la même chose. C'est la même chose. Alors ça me permet moi ici de faire une partie de l'éclairage. Euh, j'ai ma lampe principale du bureau qui elle aussi fonctionne USB. OK. Mon ordi fonctionne 12 volts. Le iPad, ben, évidemment, USB. Le iPhone, il est USB aussi. Parfait. Donc, toute, la plupart de mes affaires travaillent en basse tension, Pourquoi? sauf mon énorme imprimante. Ah tombe, oui, ton imprimante. Ah, oui. Une gigantesque imprimante. Je ne savais pas où la mettre, je l'ai mis là. <laughs> Ce qui est le fun aussi, c'est que tu sais, toi, tu as ton équipement spécialisé, comme oui. ben, spécialisé un peu hors de Les gens qui font oui. du bateau qui oui. voyagent sur route, c'est vraiment ordinaire oui. pour eux. Oui. Mais nous, on est arrivé à notre équipement de tournage avec l'électricité 120 volts ordinaire, puis on a oui. pu le brancher dans ton système aussi. Oui. Fait que, ça oui. permet d'inviter de, oui. des amis. Oui, <laughs> absolument, tout à fait. Parce que là, l'onduleur fonctionne parce qu'on travaille mmh. avec euh, du courant alternatif. Ouais. puis, euh, c'est tout à fait gérable. Puis le prochain élément, on a ton ah, chauffage. Ça, j'adore. J'adore ce petit appareil-là. C'est un, un nouveau produit de chez Martin. Ok. Qui est comme, comme le poids. C'est-tu représentant euh, pour, Je pourrais être représentant <laughs> de chez Martin, je l'adore. <laughs> en fait, il n'est pas à bonne place, il devrait être plus bas. Mais moi, je ne peux pas le mettre plus bas parce que je ne pourrais plus mettre de meubles en bas. Oui. Donc, je l'ai monté. Et lui, c'est mon gardien, c'est-à-dire qu'il chauffe la nuit. Mon poêle à bois, il s'arrête parce qu'il euh, est minuscule, mon poêle à bois. Mm -hmm. Donc, il n'est pas capable d'avoir plus que deux heures d'autonomie. Mm -hmm. Fait que la nuit, j'enclenche ce petit système-là. Donc, mm -hmm. il prend le relais pendant la nuit, mais surtout, le plus intéressant, c'est qu'il me permet de m'en aller d'ici. Okay. Je peux partir grâce aux bouteilles de gaz qui sont en dehors et qui font le transfert automatiquement. Mm -hmm. Je peux partir 12 jours. Je m'en vais deux jours, à la maison, je reviens, elle est encore chaude, il me reste encore du gaz dedans. Là. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est juste pour pas que l'eau gèle, puis Pour pas ça. que l'eau gèle, pour pas non plus que les murs se refroidissent trop. Parce que quand on réchauffe après, il se crée un point de rosée okay. et on va voir de l'humidité dans les murs. Ah, oh. ouais, hey, c'est bon à savoir. Ça. Oui, c'est euh, vraiment ce, ce poil-là, c'est une merveille, c'est un petit bijou. Fais... Alors, on est devant ton panneau électrique, Rémi. Oui. Qu'est-ce que. Ben, premièrement, c'est une boîte en bois. Est-ce que c'est sécuritaire? Alors, moi, je l'ai monté comme. Je suis dans une maison temporaire. Mm -hmm. Je l'ai monté comme un bateau. OK. C'est pour ça que j'ai mes cadrans en avant et que j'ai mes interrupteurs qui sont ici. Fait que tu as toute ton installation euh, de bateau derrière. Oui. Quand on va l'ouvrir, non? Mm -hmm. C'est comme un bateau. Parfait, waouh! Mm -hmm. Puis, ça ici, c'est quoi les boutons? Pourquoi il y en a autant? Alors, ça, c'est toutes mes commandes, <laughs> entre autres mes ventilateurs que je peux allumer mm -hmm. selon ce que j'ai besoin, mon éclairage en partie. Puis j'en ai euh, un ou deux disponibles. OK. Puis pourquoi on voit le voltage autant changer en ce moment? Ah, ça c'est parce qu'on a des chargeurs ici. On a, on a au moins une dizaine de chargeurs. Avec le tirer. tournage? Oui, avec oui. le tournage. Donc oui. ils, ont, ils ont tous des voltages différents, ils bougent différemment. Ça mm -hmm. fait que ça se répercute sur le, le voltage principal. OK. Parce que s'ils partent tous en même temps, ils ça. Ils partent en même temps ou ils sont en décalage. Mm -hmm. fait que ça, ça donne toujours une, une variance. Et ici j'en ai un qui est fixe. On voit qu'il est toujours 13.01. Ça, c'est mon abaisseur de tension. Okay. Donc, il prend le 24 volts, puis il le retransforme en 13.01 volts. C'est moi qui l'ai ajusté à ce voltage-là. Ça, ça permet d'avoir le standard 12 volts partout. Oui. Donc, c'est mon indicateur 12 volts. Lui, il ne bouge pas, mais si jamais un jour il change, il varie ou il s'étend, je sais que j'ai un problème. Parfait. Puis moi, je suis vraiment un geek. J'aime savoir comment c'est fait. On peut-tu l'ouvrir pour voir comment oui. c'est fait? Oui. Oui D'ailleurs, je l'ai mis euh, sur penture ici. OK. Parce que... On ne sait jamais, on peut peut-être être appelé à intervenir. Donc, c'est vraiment méthode bateau. Vous voyez, j'ai un porte-fusible dans le fond, j'ai mes interrupteurs qui sont devant. Dans, dans les maisons, ce n'est pas comme ça on va travailler avec des boîtes, avec mm -hmm. des interrupteurs homologués, etc. Donc, je fais ça assez rapidement parce que c'est quelque chose qui ne durera pas. Mm -hmm. Donc, on voit le régulateur qui est ici, l'abaisseur de tension qui est là. Et okay. on va ouvrir cette partie-là on va la découvrir euh, qu'est-ce qu'il y a dedans parce Perfect. que c'est plein jusqu'en bas. Fait que euh, contrôleur de charge, c'est ici que les panneaux solaires arrivent. Oui. Wow. Puis c'est quoi ici la grosse machine qu'on voit Alors ça c'est mon onduleur. Je vais vous dire ouais, on est dans une mini maison puis il a un gros onduleur. <laughs> en fait, j'ai un gros onduleur pourquoi Parce que euh, l'électricité fournie par cette maison-ci mm -hmm. va envoyer l'énergie à l'autre maison et je vais faire tout le montage de l'autre maison avec lui. OK. Donc il va à la fois charger mes outils, mes batteries d'outils, mais il va faire marcher aussi mon band ma scie en onglet, tout ouais. ça. Donc c'est pour ça que j'ai un gros. Tu peux faire ici. fonctionner tes scie avec ça, là. Oui, oui, wow. oui, absolument. Je peux faire marcher ma scie en onglet, puis un band scie. Wow. Il est assez puissant. Il est 1200 watts, j'ai pas besoin de plus que ça. Mais pourtant, tu as un petit système solaire, comment est-ce que ton petit système solaire peut fournir? C'est parce qu'on ne voit pas, mais les batteries, elles sont dehors. Okay. Elles sont en dedans dans une boîte. J'ai beaucoup de batteries, j'ai mm -hmm. six batteries. Okay. Ce qui est largement suffisant pour ce que je veux faire. Juste pour, pour rappel, peut-être toute cette maison ici a été bâtie euh, avec le solaire. Mm -hmm. Rien d'autre. Il n'y a jamais eu une génératrice ici, si jamais, jamais. Okay. Tout s'est fait par les panneaux solaires. Wow. Ici, euh, c'est ici, le, le point de jonction de tous les films. Donc mm -hmm. mes batteries arrivent par en dessous passe par cet interrupteur-là, qui l'interrupteur principal. Lui, en fait, il est là. Si jamais il y a un début d'incendie, n'importe quoi, je le coupe. Okay. Je suis là, ici, à côté. Uh -huh. Donc l'incendie, feu électrique, on coupe l'alimentation, ça va s'éteindre tout seul après. Okay. Extincteur, puis on, on éteint le bois qui aurait commencé à flamber. Donc lui est principal, j'ai mes borniers, vous voyez, je peux mettre mes mains dedans, je risque rien. J'ai mes borniers qui sont là, puis tous mes départs, mes arrivées se font ici. Donc j'ai pas 50 villes qui reviennent aux batteries, j'ai juste deux films qui partent. Ah oui. Puis qui se viennent ici. puis Tout, tout se fait là. Hey, merci beaucoup pour nous avoir montré l'intérieur de ta micro-maison, de ton expérience. Oui, c'est hein? petit, hein? Oui, c'est tout petit, mais tout est là. Il y a de la place pour tout. Moi, j'habiterais là-dedans, -là, je manquerai de rien. Oui. C'est le cas. <laughs> Puis, euh, comment tu as réussi à designer tout cet élément-là? Tu sais, comme dans le fond, il y a l'électricité, mais aussi la maison, l'orientation solaire, puis tout ça? Ah, parce que, sais-tu, j'ai suivi un cours, j'ai suivi <laughs> une formation extraordinaire. C'est-à-dire la quatrième cohorte. Ouais. J'étais donc à la fois élève sur toute la, toute la durée mm -hmm. et prof sur le dernier cours. Oui, parce qu'au certificat en design, tu es prof pour oui. l'autonomie énergétique. Oui. Mais il y a plein d'autres profs pour toutes les autres expertises. Toutes les autres expertises. Ouais. Fait que là, j'en ai appris beaucoup, puis j'en ai mis une partie en pratique ici. Mm -hmm. Fait que si vous avez le goût d'en apprendre plus comment concevoir votre maison, il y a le certificat ou juste l'intro au design de bâtiment écologique. Un, c'est l'intro, l'autre, c'est le certificat, c'est très complet. Oui. Mais si vous avez le goût, juste l'électricité, euh, bien Rémi, il y a aussi le cours d'autonomie énergétique. Oui. Qu'on a passé pas ouais. mal de, de temps ensemble avec ça. On a passé pas mal de temps ensemble. Puis savez-vous, euh, cette maison-là, il y a mm. plein d'élèves de, de formation qui sont venus m'aider. Wow! Et des profs aussi, et des encadrants. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Dans le fond, c'est oui. comme un cours où est-ce qu'on apprend vraiment dans la pratique comment réaliser ce que tu as fait côté électronique. Oui, c'est formidable parce que j'ai vu des, des, des élèves qui m'avaient connu avant, mm -hmm. mais j'ai revu après ça des élèves qui connu ah que j'avais connus ici d'abord. après. Puis tu sais, on a fait un cours comme ça parce que toi, tu donnais le savoir, mais là, ça permet oui. genre de l'avoir sur Internet, accessible aux gens qui sont vraiment intéressés. Oui, ça c'est intéressant. Là. Les gens qui sont en région, qui sont loin, oui. c'est vraiment formidable pour eux.